Eh bien voilà, nous sommes là pour vous annoncer l'avant-match. L'ambiance qui se passe ici à l'hôtel La Galette sur la commune de Adinda dans la ville de Kikwit, où il y aura un grand match entre l'équipe Saint-Cœur du Diofa et l'équipe de Kikwit. Cette organisation est bien animée par M. Dédé Mopassa, qui est venu quand même honorer toute la ville de Kikwit. Nous annonçons, nous sommes à l'hôtel La Galette. Toute l'équipe est déjà là à l'intérieur, l'entraîneur et les différents joueurs. D'où nous vous prions de rester bien attachés et bien connectés pour voir comment sont logés les joueurs et quelle est l'ambiance qui règne avant ce grand match qui va engager la sélection du Diofa et celui de Kikwit nommé Ange Noir. Voilà, comme nous l'avions annoncé, nous sommes ici à l'hôtel La Galette où est logée la sélection du Diofa. Il y a tout le monde qui est là, les différents joueurs, l'entraîneur et même il y a une forte délégation du Diofa qui est là. Nous commençons avec le coach de la sélection du Diofa qui nous disons bonjour. Oui, bonjour aussi. Alors, maintenant, vous êtes à l'hôtel La Galette. Non, à l'hôtel La Galette, je vais vous remercier de mon passe. Il y a mis ça là, on est au mot de passe coup de chapeau. Ma bande a eu deux fois, on a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Ah, on a eu un peu de temps. Vraiment merci. Est-ce que le joueur est en forme? Le joueur est très très en forme. Il s'est dit que bien victoire en Bikel. Mais tu as gagné quoi? Bon, puis là, tu as Bikel V100, qui est salué Salama, tu es en préparatoire. Capitaine, équipe de entraîneur. Alors, cette fois-là, nous allons parler à l'entraîneur. Bonjour. Oui, bonjour. Coach Maluka Mana. Coach Maluka Mana. Vous oubliez bien ce match en gros contre Ange Noir. Et puis, il y a un bon avis. Moi, je suis un idiot qui a déjà eu son anzi là. Je suis en place de Maïel et Mekatouga. Donc, je suis en train de se faire un peu. Je suis bien. Donc, je suis en forme et je gagne le match. Très à l'aise. Je suis en train de match. Ça va être mon avis. Je suis en train de se faire un idiot. Ça prend ce que tu as d'ici là. Oui, pronostic. Moi, je suis en train de se faire un peu. Je suis en train de se faire un. Ok. Merci. Alors, nous allons prendre le capitaine de l'équipe. Il est où? Ok. Bonjour, Capo. Bonjour, Papa. Le logo à la match mène contre l'équipe, il y a Ange Noir. Non, personnellement, je ne pouvais pas avoir peur car c'est un match amical et nous sommes bien préparés. Nous savons que non, jusqu'à la fin, nous allons remporter notre match. Vous jouez quel poste? Moi, je joue au libéro, le numéro 4 ou 5. Et vous pensez que vous allez gagner le match? Oui, c'est sûr, nous allons gagner parce que nous avons très bien préparé en conséquence et nous savons que la victoire nous revient. Nous allons gagner le match avec une victoire de 2-0. Parmi les fans, il y a quand même des fans de Diofa, hein, c'est ça? Ceux qui ont effectué les déplacements. Franck, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. L'Ingala français. Tout ce que vous voulez. Tu as accompagné l'équipe parmi les fans? Non, moi je suis joueur. Axe central. Oui, oui. Vous allez gagner le match. Ça n'a pas peur qu'on vous vive que vous soyez la base quand même de la défaite de l'équipe? Non, non, les défaites ça ne sera pas parce que nous sommes venus ici pour gagner cette match. Nous sommes là pas pour faire des blagues. Nous venons de loin, de Diofa, nous sommes ici avec Kikwit. Mais les matchs d'aujourd'hui, ça va bien passer. Oui, oui. Eh bien, je suis sûr que vous avez compris, l'ambiance et le moral est vraiment au zénith. Toute l'équipe est déjà en forme et il se prépare pour ce match. Le rendez-vous est déjà pris pour 14h30 au stade ici à Kikwit en direct où nous allons vous transmettre ce match. Donc, restez connectés pour ne rien manquer. Nous souhaitons une bonne chance quand même à cette grande sélection du Diofa qui est venue ici à Kikwit pour remporter la coupe. Bonne chance à toute l'équipe du Diofa. Voilà, nous sommes ici à l'entrée du stade 4 juin, ici dans la ville de Kikwit, où nous avons assisté à un grand match de football entre l'équipe de Ange Noir de Kikwit et c'est la sélection du Diofa. Nous vous assurons que ce grand rendez-vous est bien organisé par le président et l'initiateur de Banama, Dédé Mopassa, qui est déjà ici même sur place. Nous faisons vivre quand même pour voir comment est construit ce grand stade du 4 juin dans la ville province de Kikwit. Et là, nous encore déjà pour voir le stade de Kranchon qui est décoré en jaune, bleu, rouge, qui est bien sûr le drapeau de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc nous avançons avec l'équipe, avec notre caméraman, pour vous faire vivre quand même l'ambiance avant match. Tout
tout est déjà planté, il y a quand même des choses qui sont plantées pour voir comment les autorités vont se mettre. Et là, vous voyez qu'il y a des jeunes qui sont là en train quand même de donner quand même le coup d'envoi d'une façon ou d'une autre par rapport à l'ambiance que nous allons vivre aussi à 15h30. Voilà, toujours dans le cadre de voir comment les deux équipes se préparent pour ce grand rencontre entre Ange Noir de Kikwit et la sélection du Diofa. Là, nous sommes dans la résidence où les joueurs de Ange Noir sont hébergés. Nous sommes là pour voir comment ils se sont préparés pour affronter la sélection du Diofa. Ils sont là, il y a tous les joueurs qui sont là. L'ambiance est tellement bien organisée. Motivé et eux aussi ont envie de garder la coupe dans leur ville, dans la ville de Kikwit. Alors directement nous allons voir le capitaine de l'équipe, Capo. Alors nous allons parler avec le capitaine de l'équipe, voir comment ils se sont préparés pour affronter cette la grande équipe, la grande sélection d'Idio Fabien sûr. Capo, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous connaissez le PK? Ordi Manteca. Non seulement Ordi Manteca, mais docteur Ordi Manteca. Docteur Ordi Manteca. Oui. Alors aujourd'hui, vous aurez affaire à la grande sélection du Diofa. Dites-nous, êtes-vous bien préparé pour affronter cette grande équipe? Bien que la préparation soit un peu précipitée, nous sommes préparés en conséquence. Parce que nous savons que l'équipe de Diofa s'est aussi préparée afin de nous gagner. Mais on fera de notre mieux pour plaire d'abord à notre cher président de Mpassa ainsi qu'à nos supporters qui sont aussi présents. Sans oublier que la saison, il y a quelques mois, quelques jours, la sélection du Diofa, vous avez battu à Diofa. Ils ont même remporté la coupe. Vous pensez vraiment jouer votre revanche aujourd'hui? Oui, pas franchement une revanche, mais nous devons faire de notre mieux pour gagner ces matchs ici et tout ça. C'est ça notre objectif pour aujourd'hui. Ok. Oui. Merci beaucoup. Ça va tout cas sur Erika Kidogo. Est-ce que mon chat ou Mouba Zimanja ou Tchèze Imatch? Un peu de Kikongo, que ça l'aime bien. Talakaka, Bana Kikwiti, Bonyonso, Bogue ensemble, Nani Manabetu, Nabete Salagi, Ngolongolo, Sabetu Nunga, et Bet Sepedi, ça dédé Mpassa. Ok. Alors cette fois-là, après le capitaine, nous allons prendre le coach de l'équipe, Léo. Le coach de l'équipe, le coach Saddam, bonjour. Oui, bonjour. Coach, est-ce que vos joueurs, vos poulains sont bien préparés pour affronter la sélection de Kikwit? Didier Fapa. Oui, sincèrement, mes joueurs sont prêts. Ils sont prêts? Ils sont prêts. Et vous pensez remporter avec un score de combien? Bon, je ne sais pas déterminer les scores parce que le match se joue sur le terrain. Et je sais que j'ai préparé mes enfants à l'auteur où ils peuvent faire mieux. Juste pour faire plaisir à mon président Didier Mopassa. Et la victoire va nous revenir, simplement. Merci. Alors, le secrétaire, il n'est pas là. Alors, je pense que vous avez compris, le moral est vraiment au zénith. La sélection, ou l'équipe de l'Ange Noir, est déjà bien préparée pour affronter la sélection du Diofa. Nous souhaitons une bonne chance à cette équipe. Nous sommes des stades, téléphone et pression. Let's go.
Le ballon, Oui, on a joué la première mi-temps, on a marqué le premier, mais on est en train de conserver d'abord. Et en deuxième mi-temps, nous allons essayer de mettre les enfants, nous allons essayer d'ajouter l'attaque pour que nous marquons le deuxième but et on gagne. Mais déjà, nous allons jouer par. Préserver d'abord la première mi-temps. Par rapport à l'équipe de. Ange Noir, quelle est votre impression vraiment par rapport à ce joueur de Ange Noir? Il y a des individualités, j'ai vu qu'il y a des bons joueurs aussi, mais c'est une bonne équipe. Alors, pour la deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous avez promis à votre équipe? Oui, je sais que le territoire d'Idiofa nous attend à une victoire et puis à un honneur. Nous allons essayer de mettre d'autres joueurs pour carburer, pour marquer le deuxième but et nous allons gagner le match. Okay. Moi, je suis vraiment joyeux parce que là encore, marqué le premier but pour la première mi-temps. Oui. Je suis vraiment très content, je suis capable de défendre tout partout, la Madura partout. Donc, je suis vraiment très content, je félicite tout Idiofa, tous mes camarades, tous mes collègues qui sont venus me rendre visite. Et c'est mes tantes, mes frères, je suis vraiment très heureux, radieux de joie, vraiment. Je
je suis capable de louer l'Éternel. Est-ce que vous croyez que vous allez gagner ce match? On va gagner, nous, je connais avec notre attaque, il y a des bons joueurs qui doivent marquer de bons buts. Ils sont un peu dans notre temps. Je leur ai dit d'acculer l'adversaire de dans le temps adverse. Mais le conseiller qui n'arrive pas à respecter, ils sont encore dans notre temps. Et la deuxième période, je vais tout faire pour que mon équipe joue dans le temps adverse. Et pourquoi pas marquer 2 ou 3 buts. Bon, je vais commencer par dire merci. Merci à M. Dédé qui a pensé nous réunir autour de ce match de Dala. Vous savez, le foot unit toujours. Le foot, c'est un trait d'union parmi le peuple, parmi la population. Donc j'ai dit encore une fois merci à Dédé Mopassa. Je suis venu justement pour le soutenir. Je suis venu pour l'encourager. Je voudrais que les fils, les natifs de Kikwit qui sont éparpillés dans le monde puissent emboîter les pas de Dédé. Parce que l'union fait la force, comme on dit. Donc Dédé seul ne pourra pas faire grand chose. Mais si nous avons 2, 3, 4, 5 Dédé, je crois que nous serons en mesure de faire beaucoup de choses. Donc j'invite tous les filles et fils de Kikwit d'emboîter les pas et que tout le monde nous puissions nous réunir pour l'intérêt pour le développement au fait de la ville de Kikwit. Je suis émerveillé et étonné. Vous savez que j'ai vu aussi de grandes équipes du monde et de grandes équipes de la République jouer, mais là je vous dis sincèrement, il y a de l'espoir. Il n'y a rien à perdre. Il faut vraiment que nous puissions y penser, de mettre les moyens matériels, techniques et financiers. Pourquoi? Pourquoi pas, je vous l'ai dit, parce qu'il y a du talent. Et ce sont des tout jeunes et ils ont un bon football. Il suffit d'un encadrement, je pense qu'on peut aller très très loin. Et l'encadrement peut venir que de l'appui que tout un chacun. Dans le cas de Banama qui est un mouvement, retour chez soi, un regard chez soi. Chacun avec le peu qu'il va amener, je pense, appuyer aussi les autorités qui sont sur place pour améliorer les infrastructures afin de donner la gaieté à la population ou la chance de l'économie, de la troisième chance dont je dis, et que tout ce qui est fait ici doit être connu du monde. Ça aussi, c'est très important. Donc, c'est voir dans quelle mesure toute forme de rencontres qui se passeront ici, que ça soit connu du reste du monde sportif de la République. Apport monsieur Mingi Angolo à côté à Banfumu, ça m'a infrastructure, Bimanio, ça l'omba au coin ensemble, le coin d'Ambote. Donc il y a de l'espoir, le football, Awa, Nakata Kikwiti, Nakata Kwilu, fait coin d'Antama, pourquoi pas, peut sa chance, Nabajen, Nabeto, na économie à troisième chance, il y a que économie, il y a sport, Nakata football. Bon, en tant que ressortissant de la province, quand mon frère Dédé Mopassa m'a contacté, en tout cas, j'avais directement dit oui, je vais l'accompagner. Et là, je viens directement dans ma province et je vois ce qui se passe ici dans la province. En tout cas, pour le match, je suis content d'assister au match.
malheureusement les infrastructures. Hein, quand je vois avec tous les politiciens, tous les leaders politiques que nous avons au pays, les ressortissants de cette province de Kouilou, en voyant les stades comme ça, en tout cas, ça fait mal. Ça fait mal, vraiment. Mais non, les joueurs, et d'ailleurs, les joueurs sont des jeunes. Ce sont des jeunes, il faut les encourager. Hein, il faut les appuyer. Quand je vois comment évoluent les gens en Europe, les jeunes gens en Europe, bon, bien sûr, on ne peut pas les comparer avec ceux d'ici parce qu'il y a la différence des investitures, des infrastructures. Mais en tout cas, il faut les appuyer. On doit travailler de signer avec mon frère Dédé et on verra qu'est-ce qu'on pourra faire dans l'avenir. Merci. Le score du sportif reste inchangé jusque-là, en 8 à 0 au profit de la formation du Diopa. Une balle arrière partie à numéro 5 de l'Angloire. Mais tout d'abord, ce ballon contrôle. Toutes les connexions de qui ne sont pas tenues, malheureusement, ça va faire un. Et la tête à Djibouti qui vous dit. Qualifié la Mikal des entraîneurs de Kinshasa. La FIB Sala et Wana Kenda Lambo Kalanga pour la match à football à Idiof. Merci. Coach, c'est le frère Idiof. Et la ligne de Idiof, le peuple de Boli, invité les amis, les amis. Oui, c'est le frère de football, ça se joue comme ça. J'ai reçu, j'ai encaissé un but bête à la 7ème minute. Favorisé par la bite qui était un hors de jeu. J'ai acculé, mais ça n'a pas tenu. J'ai acculé depuis que j'ai reçu le but. J'ai acculé, mais ça n'a pas tenu. C'est le match du football. Il y a trois aspects. Il y a les matchs nuls, il y a la victoire, il y a la défaite. J'ai échoué sur le terrain. Ok, ça arrive. Je suis en train de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter la pente de l'équipe. Bon, ils ont la balle. Hein. Donc, bah, les années, trois résultats, gagner, perdre, défaire, match nul. Bon, bah, j'ai occasion à la première mi-temps de très tôt marquer, biso bon. Tout ça, l'effort pour la deuxième mi-temps, 6 mi-temps, bon. Ils ont mis sur du match, donc, bah, mérité ce qu'on a bango, voilà, donc. Tu as gagné 1-0. Merci. Non, j'avais toujours dit au caméraman que nous allons gagner ce match. Je suis capable de défendre tout. C'est pour ça que j'ai défendu partout. On a gagné le match, je suis très content. Merci beaucoup. Naza vraiment un sentiment moro on a évité d'avoir le banini parce que mboka musika tu as dit non nerf à Dédé comme il y a Dédé linga biso mingi ngwa to biso fait ga fallait to gagner j'espère le temps to sala qui na un hôtel kuna na biso bien bien na ko pesa la pronostic mais naza na sur na équipe na nga yango ba réaction et salimi.
plus avant. Ils sont là en train de saluer le maire, l'organisateur et toute l'équipe. La midi de l'info. La midi de l'info. Après la montée, les arbitres, l'équipe perdante, donc c'est l'équipe perdante qui monte. Toutes les acclamations de sa public, de son public. Il monte tous les applaudissements de son public. En joie. L'organisateur, le maire, le commandant district et toute son équipe. Le poste à joueur décime que le match. Attention. Il y a un mur qui remet l'enveloppe à l'équipe perdante. Mais ce que nous demandons à l'équipe gagnante de monter, le capitaine va rester juste après le capitaine de l'instant, la dernière personne. L'équipe gagnante, l'équipe qui doit pas monter. Et la mise de la couche de la éclinante par le maire de la ville, Jean-Claude Mignola qui sourit, on lève, témoigne voilà combien il est dans la joie, pour ça, le match s'est terminé sans problème, sans aucun incident, donc ce n'est que normal. Voilà, et on procède à la salutation. Je crois que le maire de la ville, comme on a notre génération, Jean-Claude Mignola va procéder à la remise de cette coupe capitaine de l'équipe du départ. Le match, Le maire Jean-Claude de la ville, Jean-Claude Mignola,